Allez, c'est la réalisation de l'enduit. Donc c'est un enduit qui est gratté. Donc là, ils sont en train de le lisser. Ils sont en train de lisser l'enduit. Et demain, ils pourront le gratter. Donc là, il y a une bonne couche qui vient en surépaisseur par rapport aux arêtes. Donc environ 3 mm de surépaisseur. Ces 3 mm seront perdus. Donc ce sera du mortier qui sera sec, qui va tomber par terre. Voilà. C'est de la perte sèche. Quand on fait un enduit gratté, eh ben, il y a à peu près 2-3 mm qui partent, qui tombent par terre. Et c'est perdu. Voilà. Enduit gratté, c'est joli parce que il va être poreux. Ça va mettre en valeur le grain. Et ça va faire un peu mat. Voilà. Ça va enlever toute la laitance qu'il y aura due à l'humidité dans le mortier. Voilà. Donc on fera ça dès demain. Donc il y a des parties comme celle-ci qui sont étroites. On y fait à la langue de chat, comme ça, ça va bien. Prends-toi une taloche, et tu mets sur ta taloche, non? Baisse-toi, regarde, toi, là ici, c'est pas fait, là, toi, juste en haut. Faut bien regarder de partout, parce que... Là, t'en as pas beaucoup, hein. Non, faut en mettre un peu plus, hein. Ouais, mais ça, il est un peu liquide. Bah ouais, il est liquide.